Yep, Terminal 2, exactly. Good morning, good morning. How are you? Good. Good to see you. Shopping with Sam. It's good luck, right? Yeah. Yay, all right. Okay, so we are in Salzburg, Austria to do something pretty fun in the Red Bull sort of circle. And I think it's going to be pretty exciting. However, it is all happening tomorrow. I'm pretty exhausted, so I'm going to go to sleep. I'll see you tomorrow. Good night. Salzburg! Today's going to be a good day if you're a Formula One fan. If you're not a Formula One fan, I do highly recommend watching Drive to Survive on Netflix. Not an ad, just a great series which will really get you into F1. So why Red Bull then? And why are we here? Well, Red Bull have two teams historically in Formula One. They've got the Red Bull Racing Team and then Toro Rosso, which is kind of like a preparation team for the drivers and mechanics and anyone for before they go to the main Red Bull Racing Team. Now, it's still a great team and it's had some fantastic results. The current drivers are Pierre Gasly and Daniel Kvyat. However, the team has changed names. It's no longer called Toro Rosso. It is now AlphaTauri. AlphaTauri is a clothing brand owned also by Red Bull and is now also carrying the name of one of their Formula One teams. And today, we are going to see their brand new 2020 F1 car. Oh wow, it's the party bus. Mate, it's so sick. Oh yeah. Hello. Hi. Oh, this is awesome. Wow. Yeah. Wow, wow, wow. It's a good start. We've got a cool bus. Red Bull. Security? Hello, baby. Cool. Hello, hi, nice to meet you. I don't know why. Look at this, these guys clearly, they're quite good, aren't they? Got quite a few trophies, and then, I mean, they have got a nice rig, a hockey rink, to be able to train at school. Insane. When it's raining outside, just got an indoor fish, casual, at school. No biggie. Right. I've made it to the event. First of all, there's a plane. Second of all, the F1 car and a private jet. Now, there is Daniel Kvyat, there's Pierre Gasly, there's David Coulthard. They're all there practicing for the big launch later on, but I'm not entirely sure what's going to happen throughout this evening. I'm winging it, I've got my camera, we'll see. In the meantime, a little beer. Ready? I'm gonna do like the whole zoom in and go mental. You boys ready for the flight? Yes. Whoa. What? This is crazy. So whose plane was this? This is owned by Red Bull. Ah, oh, okay. It's your plane. You're so used to this, but for me, it's the first time I've been on a plane. Enchanté. Enchanté. Ça fait trop plaisir. On est avec la famille, là, la famille sur YouTube. J'appelle mon audience la famille. Okay. On est tous des énormes fans de toi. Et donc ça fait grand plaisir, ça fait plaisir de te rencontrer. Et moi, je voulais juste voir, est-ce que toi, tu regardes beaucoup de YouTube? Est-ce que tu as des YouTubeurs préférés que tu regardes ou des gens comme ça que tu suis? J'avoue que je regarde de plus en plus maintenant. Après, des YouTubeurs particuliers, j'en ai pas vraiment. Je regarde plus les vidéos que je vois qui passent. Ouais. Et c'est vrai que ça se fait de plus en plus. Il y a des trucs vraiment très drôles. Et voilà, ça pour m'occuper à l'aéroport dans tous mes voyages. Toi, tu voyages beaucoup. Ouais, c'est ça. Ça fait du bien de regarder quelques vidéos marrantes.
Et tu regardes en anglais ou en français la plupart du temps? Honnêtement, de tout. Il n'y a pas vraiment anglais, français, italien. Il n'y a pas vraiment de langue particulière, mais c'est plus sur ce qui va me faire rire, ce qui va m'intéresser. Bien sûr, j'adore les voitures, j'aime ça. C'est voilà, ce que je préfère. Donc, j'ai plus regardé des vidéos sur la voiture, mais sur le foot et après les trucs un peu marrants aussi. Ok, parfait. Ben, nous, ça nous fait tous tellement plaisir d'avoir un pilote français comme ça qui performe comme toi. Et on suit énormément ta carrière. Est-ce que pour toi, quand tu arrives au Grand Prix de France, il y a quelque chose de vraiment spécial? Comment ça change pour toi ta préparation ou la manière où tu vis ce Grand Prix ce week-end? C'est quelque chose vraiment de très particulier. C'est vrai qu'on pourrait croire que c'est un Grand Prix comme les autres, mais le fait d'être à la maison, le fait d'avoir beaucoup plus de Français, beaucoup plus de soutien, des messages de soutien, motivation juste avant la course, pendant le week-end, de voir dans les tribunes beaucoup plus de drapeaux français, les casquettes, ma casquette que les gens portent et tout ça, c'est vrai que ça donne vraiment une énergie particulière. Et non, c'est un moment en termes d'émotion, c'est vrai que c'est ce qu'il y a de plus intense sur la saison. J'ai eu la chance d'avoir le Grand Prix en France et pendant mes deux premières saisons en Formule 1. Avant, c'était pas le cas. Donc, je sens que c'est une grande chance pour moi de pouvoir vivre un moment pareil. Et tu le sens quand tu es dans la voiture? Parce que quand même, tu as beaucoup de bruit, mais est-ce que tu vois un peu les gens qui se lèvent ou tu entends un peu de bruit ou... Honnêtement, non, c'est vrai qu'on ne peut pas voir ça. Après, ce qui est impressionnant, c'est pendant le tour de parade, juste avant le Grand Prix, au moment où on est sur la grille aussi, juste de voir les gens en tribune, les drapeaux, les casquettes, les t-shirts, les cris, c'est vraiment quelque chose que j'avais jamais vraiment ressenti auparavant, avant d'arriver en Formule 1. Et c'est quelque chose d'incroyable. Moi, je sais que mon audience, il y en a beaucoup qui ont regardé la série Netflix, ouais. Drive to Survive. Et là, il y a la deuxième saison qui va sortir. Est-ce que toi, tu as déjà eu un preview? Tu as déjà vu des... J'ai vu quelques extraits. Après, honnêtement, je n'ai pas vu suffisamment pour avoir une vraie idée, mais connaissant Netflix et ce qu'ils ont fait, ils arrivent à toujours tourner les épisodes et faire que la saison soit vraiment intéressante. Je pense que ce qui est vraiment bien par rapport à cette saison, c'est surtout de montrer les pilotes plus leur personnalité et un peu dans la vie réelle, parce que c'est vrai qu'on nous voit sur les Grands Prix, on nous voit avec notre casque, dans un scénario, une situation particulière, mais on ne nous voit pas vraiment dans la vie du quotidien, on ne voit pas vraiment la personne qu'il y a derrière le casque, et c'est une bonne manière grâce à eux de montrer un peu plus ça. Ouais, les gens qui ne s'y connaissent pas trop nécessairement en Formule 1, c'est une manière qu'ils peuvent vraiment se connecter au caractère. Exactement. Et donc là aujourd'hui, un énorme changement avec l'écurie. Et comment toi tu vis ça? Comment tu vois la prochaine saison qui arrive devant nous là? C'est vrai que c'est super excitant. On va passer, il y a une histoire qui s'arrête avec Toro Rosso. C'est là où j'ai commencé ma carrière en F1, ils m'ont donné ma première chance. Il y a une nouvelle histoire qui commence avec la Scuderia AlphaTauri. Et honnêtement, c'est excitant de faire partie de ce projet. Après, forcément, en tant que pilote, pour moi, le plus important, c'est qu'on ait une voiture qui soit rapide. Mais il y a vraiment une vraie volonté de bien faire les choses. Et j'ai vraiment hâte de commencer la saison. Ça va être incroyable. Dernière petite question. Si tu n'étais pas pilote de Formule 1, à ton avis, qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui à ton âge? Parce que tu viens de fêter ton anniversaire aussi, non? Ouais. Happy birthday. Merci, je viens de fêter mes 24 ans. Ok. J'ai commencé avec le foot, j'ai commencé avec le hockey sur glace quand j'étais tout petit, à 3 ans et demi. Après, j'ai fait du foot à partir de 5 ans et j'ai fait le kart à partir de 6. Et c'est vrai qu'au début, je faisais foot et kart à fond. Et bien sûr, il y a un moment, il a fallu faire un choix parce que je ne pouvais plus faire les deux au meilleur niveau. Mais le foot, c'est vraiment mon sport aussi, mon deuxième sport de cœur. Et j'aurais essayé de faire une carrière là-dedans. Après, non, il y a beaucoup de choses. J'aime beaucoup le design. J'aime beaucoup, surtout tout ce qui est design un peu d'intérieur, d'extérieur, l'architecture, c'est quelque chose qui m'aurait bien tenté. Il y a plein de choses, honnêtement, il y a plein de choses dans la vie que j'ai envie de découvrir. C'est vrai qu'en faisant ce sport, on doit se concentrer 90% de notre temps juste sur une chose. Et il y a tellement d'autres choses à découvrir. Donc, il y a peut-être d'autres choses plus tard, une carrière, ça ne dure pas si longtemps que ça non plus. Donc, j'aurai le temps de voir après. Nous, on est tous contents que tu as choisi de faire la Formule 1. Ouais. Parce que ça nous fait tellement plaisir. Moi aussi, au final, honnêtement, c'est j'appelle même pas ça un travail parce que c'est tellement un rêve et une passion.
depuis tout petit que non, c'est vraiment incroyable de pouvoir faire ça. Ah, super, bah écoute, bon courage l'année prochaine. Merci. Ouais. Et bah, cette année, tu vois. Ouais, et, cette année. Ouais. Écoute, nous, ça nous fait tellement plaisir et on va tous te suivre. Donc merci beaucoup pour c'est ton gentil. Temps et à bientôt. À plus.